Hello, hello les filles, comment ça va? Les filles, et Thierry. Parce que je crois qu'en garçon, j'en ai pas beaucoup qui passent sur ma chaîne. Thierry, c'est sûr, mais les autres, je ne crois pas. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler d'Art Journal. Oui, j'ai commencé, je me suis lancée. C'est les créatures de bébés qui m'a dit, lance-toi, tu verras. C'est génial. Je n'osais pas. Et finalement, j'adore. Et puis, j'ai suivi les défi de Scrap Simon, j'adore, et tous les mois, elle en lance un, en fait. Donc là, le mois de janvier, c'était l'hiver, avec des consignes. Il aurait fallu que je me mette les consignes, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait, je n'ai pas fait. J'aurais dû penser à ça. Du coup, je vous les présente, et je pense que j'ai prévu dans ma programmation de vous en faire de temps en temps sur la chaîne. Alors, je vous dis tout de suite, parce que du coup, je l'ai déjà prévu dans mes vidéos à faire. Il faut juste que je retrouve la bonne page, voilà. Il y a des fois, hein. Alors, oui, j'ai prévu de vous faire le jeudi. Voilà, une page de Art Journal le jeudi. Pas tous les jeudis, hein, mais ce mois-ci, je vous en ai prévu deux. Parce qu'il y aura forcément le défi de février de Scrap Simon que je vais vouloir faire. Donc, je vous le ferai en vidéo. Et par rapport à autre chose que je vais vous montrer après, parce que je me suis fait un petit art journal à moi et un avec les défis de Simone. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc j'ai pris juste un cahier comme ça. Hein, il vient de chez Nose, de Durovent. Ce ne sont que des pages blanches. Alors elles ne sont pas très épaisses, d'où je mets un carton dedans quand je travaille mes pages, pour éviter que ça traverse sur la page d'après. Et donc voici mon premier défi réalisé pour le scrap Simon. Le scrap de Simon. Donc c'était sur le thème hiver. Il fallait du rose, du bleu, de la fausse neige. Et après, je ne sais plus. Donc ça donne ceci. Donc je suis plutôt contente de ma page. Par contre, la deuxième, je vais vous présenter. Je la trouve pas terrible. Mais c'était en fait un défi qu'elle avait lancé Express. Evencia l'avait fait aussi d'ailleurs. Et j'ai oublié de publier sur sa chaîne. J'aurais pu la publier, mais je ne suis pas fière de ma page. Donc forcément, je n'ai pas publié partout. C'était sur l'Australie. Voilà, il fallait un animal de l'Australie et de la peinture au couteau. Je n'avais jamais fait. Et je n'aime pas travailler la peinture en plus. Voilà ma page. Donc, je n'en suis pas fière du tout. Mais j'ai travaillé la peinture au couteau. Voilà. Donc voilà, ça c'est mes deux pages pour l'instant pour les défis de Simone. Donc j'attends le mois de février avec impatience, enfin de connaître le défi de février avec impatience. Voilà, et donc je la ferai avec vous, et vous voyez, je mets mon petit carton dedans, voilà. Après, j'ai mon petit art journal perso. Alors voilà, j'ai utilisé un carnet, j'avais déjà utilisé, donc il manque des feuilles, j'en ai racheté un, voilà. On voit bien qu'il manque des feuilles. Sketchpad, donc ça vient de chez Action. Hein, je ne l'ai pas acheté cher, je crois que je l'ai acheté 94 centimes ou 96 centimes, quelque chose comme ça. Et pour essayer, je me suis amusée. Donc celui-là, je referai la couverture après, une fois qu'il sera fini, enfin une fois que j'aurai fini toutes les pages. Je referai la couverture parce que celui-là, ce sera mon art journal à moi, Gorgeous. Voilà. Donc je vous montre déjà ce que j'ai fait. Hop, voilà. Donc il y a la première, comme ceci. J'en ai fait une autre, comme ceci. Donc, je les aime bien, mes pages. Ça me permet aussi de liquider un peu les die cuts que j'ai. Et en même temps, de garder une collection gorgeous. Ça, c'est un tamponnage que j'avais gagné. Voilà. Bah, d'ailleurs, tout ça. Je n'utilise que ceux que j'ai gagnés, parce que je ne les ai pas encore, ces tampons-là. Donc, voilà. Et ça, c'est ma dernière que j'ai faite. Et en fait, vous allez voir après. Hop. C'est mes restants d'encre, mes restants de pâte de structure. Que je mets, voilà, au hasard des pages. Donc j'en ai plusieurs à faire. Les fonds sont déjà faits pratiquement. Il ne reste plus grand-chose à faire. Les fonds sont faits. Voilà. Et donc quand il me reste de l'encre sur mes. Là, il met de la pâte de structure, là. En fait, quand il reste d'un projet, de quelque chose, je reporte. Donc vous voyez, j'en ai plein. Hein. Je reporte sur mes feuilles-là. Voilà. Et après, je retravaille. Donc là, c'est que des fonds. Fait avec des restants d'encre que j'ai repris sur mon plan de travail. Voilà.
Et donc, je vais me faire mon petit. Donc, ça, c'est pareil. Je vous ferai une page avec une gorgeous. Donc, avec un fond déjà fait, comme celui-là, par exemple. Je vous referai comment je travaille mon art journal. Et ça me détend, parce que je ne me prends pas la tête. Voilà. C'est comme je le sens, moi. C'est pour moi. Donc, voilà. Il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas à se dire, ouais, je suis stressée. Je ne sais pas si ça va lui plaire. Ça me plaît à moi. C'est le principal, vu que c'est pour moi. Voilà. Donc, je disais, j'en ai racheté un parce que du coup, celui-là, il manquait des pages et ça m'embêtait. Et je me demande si je ne vais pas refaire un deuxième. Alors, soit Gorgeous, soit un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas encore. Ou est-ce que je prends un thème précis pour celui-ci? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'idée pour l'instant. Je veux finir déjà celui-ci. Déjà, ce sera déjà bien. Hein, et je me suis pris celui-ci aussi à Action, dans la même idée. Parce que voilà, c'est des pages. Et des pages blanches. Et j'ai envie de me faire un art journal un peu plus grand. Donc, j'ai acheté celui-là. C'est du 130 grammes et il y a 50 feuilles. Il était à 2 euros et quelques. À 2,99 peut-être. Je ne suis même pas sûre. 2,59 €. Enfin bref, dans ces eaux-là. C'est du format A4. Donc après, je ne sais pas si je le travaillerai en forme portrait ou en forme paysage. Ça dépendra peut-être des jours aussi. Et quand, pourquoi, je ne sais pas encore. Voilà. Je sais que je l'ai pris parce que je l'ai vu et que je n'avais pas vu avant. Et que je me suis dit, vaut mieux prendre. Parce que si je ne te revois pas et que tu regrettes. Hein. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que du coup, vous aurez du art journal un petit peu sur ma chaîne. Voilà. Bah, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur mon art journal. De toute façon, je vous ai prévu deux vidéos, donc vous verrez ça en vidéo directement. Voilà, bon ben je vous laisse. Ciao, ciao, ciao.